2019 de la phase, je pense que Araoua il est entre vos mains. On l'a discuté. Bon, ça ne veut pas dire que le programme est, c'est un programme fédéral, mais il est مخدوم avec les clubs ou les ligues tawana qui sont à l'échelle nationale. Mais sinon, les deux grands événements comme je fais le Rallye des Colombes international et le Chalon Sahari à sa 5e édition. Le Chalon Sahari, bon, déjà une étape redemnée, la première reconnaissance elle a été faite. Donc, on a commencé à faire ce qu'on a fait. Mais sinon, si je reviens au calendrier national, on a bien commencé. D'ailleurs, Inch'Allah, à partir de ce week-end, on a un motocross et un karting au niveau de la wilaya de la Ghouata, c'est national. Ils entrent dans le cadre du championnat. Et lundi, Inch'Allah, en collaboration avec la Ligue d'Alger, pour le premier, mais on a un circuit de vitesse automobile qui va se faire à Imbissam, la wilaya de Bouira. Et il y a jusqu'à un grand cycle de formation. On essaie de la formation, les amis Ramadan, Inch'Allah, on ne peut pas faire. Parce que Ramadan, elle a un peu de temps pour les compétitions. Donc on est obligé, quand on fait Ramadan, on va consacrer pratiquement le mois de Ramadan complet pour la formation. C'est la formation des amis préparés, on a des nouveaux éléments pour les deux rallyes de l'Ramadan international. Parce que nous travaillons avec les locaux de Tawana. Le déroulement le tracé Hada, il a été un peu prolongé parce qu'on avait on a eu des problèmes de vent de sable et tout. Bon, le circuit c'est pour la première fois où on a évité le goudron, c'est-à-dire on n'a pas beaucoup de liaisons goudron, on a juste quelques kilomètres. Même les liaisons de Naham en piste parce que l'endurance t'as le rallye c'est spécialement piste donc j'ai fait tout mon possible Anna ou Monsieur Paolo l'Italien, on a fait tout notre possible mais le rallye yani il croit toujours sur piste également les liaisons et en même temps les spéciales. Et par rapport à ce circuit à l'année passée, je pense qu'il va être parmi les meilleurs circuits au monde.